Aller au village. Je voudrais aller au village, voir si effectivement il n'y a pas des petites choses qui ont été construites. Avec les vins qu'on a récupérés de plus, peut-être récupérés au magasin. Kayam, il y a une boutique qui a été ouverte. Ouais. Deux boutiques même. Ah, cool. La messagerie Waddle Dee. Ah oui, on a les codes à faire. On a le code à mettre, c'est vrai. La maison de Kirby. Votre foyer dans ce nouveau monde. Très bien. Et le resto. Ok, on va aller voir ce qu'il y a à la carte. Ah oui, il y a des choses à manger et tout, j'ai l'impression. C'est quoi, c'est des missions en plus hein? Ah ouais, il y a peut-être... Ah oui, ok, il y a des mini-jeux. Attends. Attends, ça m'intéresse. Déjà, c'est quoi ça? Ok, paquet cadeau. Alors, le code cadeau. Savais-tu que les codes cadeaux sont cachés un peu partout en ville? Ah bon? J'ai caché un code cadeau sur le mur de la maison située en face. Va examiner le mur. Ok. As-tu un code à utiliser? Oui. Attends, bouge pas. Il était où le code de la démo? Il est là. C'est clear démo. Oui, classique. Saisis ton code. Vas-y. Avec ton petit stylo, trop mignon. J'ai l'impression de faire comme dans les vieux jeux genre Tom et Jerry où tu rentrais des codes pour aller au truc. Le paquet cadeau est devant ta maison, ok? Cool. Et comment j'examine le mur? Ah, là. Ok. First password. Oui, logique. Ok. Ah oui, il faut d'abord que j'ouvre celui-là. Ah, 300 pièces. Ah, c'est mignon ça. C'est cool. C'est chouette. Très bien. Je suppose qu'il doit y avoir des trucs cachés en ville avec ça. En plus. C'est sûr. Alors, on a dit first password. Oui, absolument. Alors. Bon, je le mets en majuscule, même si je suis pas sûr. Les premiers mots de passe. Boum! Hop là. Vas-y, ouvrir. Ça m'intéresse. Ok, ça nous fait des pièces, ça fait combien? 100 pièces. Bon, c'est très bien. C'est déjà ça, hein. C'est déjà ça de prix. Je fouille quand même un peu, on sait jamais. Le ciné qui est là. Attends, est-ce qu'à la boutique, je peux acheter des trucs en plus ou pas pour l'instant? Ok, donc j'ai les nouvelles gammes d'objets qui sont arrivés. Ok. Alors, voyons voir. J'ai pas l'impression qu'il y en a des plus pour l'instant. Ah, attends, c'est quoi ça? Oh, monsieur sac de sable. Ah, trop bien, on peut s'entraîner. Et si je le bats, ça fait quoi? Alors c'est vraiment pas le meilleur pouvoir pour le battre, hein. On va essayer de le battre quand même. Ok.
On doit avoir un truc à la fin, c'est sûr. Non. Ce troll. Vous hallucinez, putain. C'est juste pour tester les pouvoirs. C'est pas sûr, je vais. Ah, merci. Je te jure. Ok, vas-y. Ah, oui. Qui a-t-il? Je te remercie, Kirby, avec plaisir. Ah, attends, voyons voir. Attends, il doit y avoir un truc là-haut, non? Ok, donc ça c'est le mini-jeu, je suppose, avec le café. T'aurais une minute, bien sûr. Nous aurons besoin de quelqu'un pour nous aider, ce serait un boulot à temps partiel, ok. Jouer en solo, jouer en duo. Ah, cool, jouer en solo. Job facile. Service à l'essai en douceur, vas-y. Retirer la commande du client et sélectionner l'article qu'il souhaite. Attention, si la satisfaction des clients baisse trop, la partie se termine. Ok. Conserver la vitesse, le service s'accélère. Rester à satisfaire un maximum de clients pour débuter. Ok, d'accord. Ok. Ok, on va voir. Ah ouais, c'est mignon. Ah, c'est mignon. Ah, c'est mignon. Ah bah, doit y avoir tellement de choses après. Ça, le service facile, ça va, tranquille. C'est trop mignon. C'est beaucoup trop mignon. À deux, ça doit être drôle, ça fait un peu comme les jeux de service et tout. Ah oui, d'accord, ça continue. Attends, c'était le niveau facile, là? C'est toujours le niveau facile? Ouais, je pense que c'est le niveau facile parce qu'on a que deux formes. Ok. Bonus, aucune erreur de service, plus 500, nouveau record. Qu'est-ce qu'on gagne? 88 pièces. C'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Job intense ou un job forcené? Vas-y, on va tester. On va choisir difficulté. Ok, job intense. Vas-y, on tente. Ah oui, du coup, il y en a 3 cette fois-ci, ok. Allez, c'est parti. Ah oui, ça se révèle comme ça, du coup. Non, je me suis trompé, zut. Ah non, deux fois! Oh, je suis désolé. Ah bah du coup j'ai craqué, j'aurais pas mon bonus de... En plus le bonus il était énorme, donc j'aurais pas mon bonus, c'est dommage. Ah par contre faut vraiment que je sois dans le vert parce que le bonus forcené après, il va être assez violent je pense. Ah ça y est, ça commence. Ah zut, c'est de ma faute. Ok, on voit un petit peu ce qu'ils veulent avant. Ouais, c'est pas ouf hein. C'est pas ouf, ah zut. Ouais, j'ai vraiment été mauvais sur ce coup là. Ah j'ai vraiment été mauvais sur ce coup là. Ouais, 52% de satisfaction, c'est vraiment pas ouf hein. Ok, on va tester 88. Ah on gagne 88 à chaque fois. Oh, doit y avoir un peu plus que ça. Choisir difficulté, on va faire le troisième pour voir. Oh, le job forcené, va y avoir quoi de 4, c'est ça? Ouais, il y a 4, ok. Ah oui, le petit burger, trop mignon. Ça me donne faim, tout ça. Ça me donne faim, toute cette histoire. Ok. Vous pouvez pas tous vouloir la même chose là, à force de bouffer comme des
comme des petits mignons que vous êtes. Ouais, vas-y. Là, ça va être difficile, je pense. J'ai fait un sans faute pour l'instant. Je crois que j'ai fait un sans faute. Je crois qu'on a fait un sans faute en plus. Je crois. Ah, 62, non. 62% de satisfaction? Pourquoi 62%? Pourquoi 62%? J'ai donné ça à tout le monde. Après, parce qu'il fallait que j'aille plus vite encore. 197, là on commence à gagner beaucoup d'argent là-dessus. Ok, bah quittez le job. Attends, il y avait un autre? Je peux te parler une minute? Attends. Tu es souvent venu nous aider ces derniers temps, c'était pas boulot facile, mais tu l'as sorti comme un chef. Alors, nous aimerions t'offrir cette figurine spéciale. Parfait, ça. Ah, cool, c'est le volumaire. Donc en fait, on peut pas tout déverrouiller dans le dans la machine. C'est ce qu'on se posait la question dans un épisode précédent. Il y avait deux trucs, non? Non, non, il n'y en avait qu'un seul. Ok, bon, bah ok. Et là, bienvenue au café, la petite buvette sympathique. Vous avez besoin de manger quelque chose pour restaurer votre santé, ok. On peut prendre un aliment à emporter. Il est rangé comme objet en stock utilisable dans les stages. Cool. Qu'un seul objet, ok. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Restaure un peu de santé, beaucoup de santé, toute la santé. Tiens, je vais prendre ça. Vas-y. Tiens, sur place, on va manger. Trop mignon. Trop chou. Ah oui, après il est bien repu. Hein. Alors la petite question que je me pose, c'est de savoir... bah, je vais acheter une petite voiture. Restaure un peu de santé. Vas-y. À emporter. Et là je le mets quoi dans le X? Ok, cool. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose dans la ville à faire? Je vais pas aller dans la maison encore. Attends, je suis pas allé à l'intérieur du musée quand même. On va aller voir. Bon, ce sera un épisode dédié, je pense, à toute la ville, les mini-jeux et tout. Quel film voudrais-tu regarder? Alors comment ça marche du coup? Ah oui, il y a tous les petits films. Imaginons je veux regarder ça. Ça se passe comment? Genre je me mets dans la salle de Cinoche et tout? Trop mignon. Ok, oui. Bah, du coup, on se retape la cinématique d'intro, ok. Ah d'accord, mais il s'assied dans le petit ciné. C'est mignon, ça. Non, c'est bon. C'est très mignon, ce petit ciné. Ils ont pas caché les petits codes à d'autres endroits? J'ai pas l'impression. Non, non, j'ai pas l'impression qu'il y a des choses cachées ailleurs. Je vais le tester quand même, mais bon. Ouais, on va aller dans la maison de Kirby après, ouais. C'est le dernier truc avant de terminer l'épisode, la maison de Kirby. Ouais, j'ai rentré les codes de la démo. Bah, il y en avait qu'un seul. Attends. À moins que j'en ai raté un. Ah, mais non, il y avait celui-là, il y avait New Adventure. Je l'avais pas fait. Ah, il faut qu'on le rentre aussi. Il faut qu'on rentre celui-ci, New Adventure, ok. On va aller le faire tout de suite, avant d'aller dans la maison de Kirby. Non, sur le bas, c'était une étoile. C'était une étoile de mission. Alors, attends. C'était le premier level, l'introduction. Alors, prends ton petit stylo. New Adventure. En fait, on pourrait tester même des codes, hein. On pourrait en tester plein. Hein. Ça se trouve, il y en a qu'on peut faire. Hein. Attends, je vais essayer un code genre Mario, tu vois. Ah cool, ça te donne quoi? Oh cool, une étoile et des pièces.
Ah bah incroyable. Bah super, une gemme rare. Eh, comme quoi? Comme quoi, pratique d'avoir fait la démo à 100%. Attends, je vais tester le Mario en code, juste pour voir. Juste pour le kiff. Pour voir ce que ça donne. Essayons. On sait jamais, hein. Ah non, marche pas. J'aurais tenté. Allez, on va dans la maison de Kirby. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la petite maison de Kirby? Ok, faire dodo. Observer. C'est des cadres que je pourrais mettre après au mur, peut-être. Oh, trop bien! Mais incroyable! Ça fait tous les jeux Kirby qui sont sortis avec Star Allies qui est le dernier qu'on a fait aussi en let's play intégral. Trop chouette! Ah, c'est amusant! Pour lire les aventures de Kirby, vas-y, fais un petit dodo. Cool! Vraiment mignon. Et du coup, en figurine, on est à 73. 73 sur 79, ouais. Ok. Bon, et bon, on avance bien de ce côté-là. Attends. Attends, elle avait un truc à nous dire, je crois. Là. De grandes choses, photo spéciale pour ouvrir tout ce mur. Ok. Attends, il y avait encore une chose à nous dire? Non, c'est bon. Ok, bon. Eh ben écoutez, fin de cet épisode. Bon, du coup, j'aurais découpé ça en 8 et 9 parce que il y aura eu tout le village pour l'épisode 9, mais ça me paraît plutôt pas mal. Hein. OK, et donc l'épisode 10, ça sera l'épisode 10 sera ici. Ça sera l'ascension des cimes de ciment, ce qui sera à mon avis plutôt chouette. Hein.